Alors que s'ouvre le dernier trimestre 2012, c'est une période compliquée que s'apprêtent à vivre les courtiers en collective. Une majeure partie de leur chiffre d'affaires va se réaliser d'ici à décembre. Pour autant, cette année, décrocher les contrats santé et prévoyance ne s'annonce pas pour eux comme une partie de plaisir. Contraints par les normes liées à Solvabilité 2, les assureurs pourraient en effet être tentés de jouer sur les tarifs afin de restaurer leurs marges. Problème, à l'autre bout de la chaîne, les entreprises ne l'entendraient pas de cette oreille. Impacté déjà par le doublement de la taxe sur les conventions d'assurance et les récentes réformes réglementaires, celles-ci n'auraient en effet pas l'intention de voir augmenter leur couverture prévoyance et santé. Autant dire que dans cet environnement plus complexe, plus incertain et plus technique, les courtiers en collectif sont attendus au tournant. Loin de s'affoler, ceux que nous avons interviewés vivent au contraire cette situation comme une opportunité en or de décrocher des nouveaux contrats et de démontrer leur savoir-faire en proposant des solutions innovantes. Ces solutions, je ne saurais trop vous inciter à les découvrir en lisant l'Argus de l'assurance du 12 octobre, un numéro dans lequel vous pourrez retrouver également l'intégralité du classement des courtiers en collective.